Le volume étude 1 permet de travailler de nombreux thèmes techniques et notamment la division de l'archet, le découpage de l'archet en deux parties. Donc sur le cours 25.1 qu'on va prendre, tous les autres cours qui se terminent par point 1, c'est le même principe. Donc on a noir, croche, 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 noir, etc. On va compter à la croche. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à la croche pour bien que ça soit précis dans le geste et dans le rythme. Donc le cours 25.1. On y va ensemble. Je vous fais le début. Après, pour la partie technique, le pourquoi du comment, je vous engage à vous reporter au volume 2 de J'apprends le violon, surtout au coffret numéro 2 avec les 8 DVD, où là, c'est expliqué vraiment à la loupe, dans le détail, toutes les contraintes techniques, comment faire pour avoir un joli son, hein, c'est surtout ça qui nous intéresse, et être en rythme, bien sûr. Il y a un travail très, très précis, très progressif. Donc là, je vous montre, c'est simplement une piste de travail qui, après, cette piste de travail, vous allez l'appliquer sur les autres exercices. Et bien sûr aussi, vous pouvez le faire, je vous engage à le faire, avec les fichiers tempo dans un premier temps et même les fichiers playback dans un second temps. C'est plus difficile, mais plus joli. On compte à l'accroche. Hein. 7, 8. Donc après, c'est le même principe. Je prends la suite, donc le cours 25.1, cette fois-ci sur la corde de La. 7, 8. Donc voilà, ce sont des pistes de travail. Et ensuite, bien sûr, utilisez les supports audio, les fichiers tempo, les fichiers playback. Et après, à vous de trouver votre vitesse de tempo et votre augmentation au niveau de la difficulté. Si vous augmentez, vous pouvez augmenter la difficulté côté vitesse sur les fichiers audio ou côté main gauche en avançant sur le livre. Donc vous voyez, vous avez plusieurs axes de travail.